Eh bien, le coureur que tout le monde attend, le coureur de l'Oise, champion de France, vainqueur de Milan-San Remo, applaudissements pour Arnaud Démare. Arnaud Démare qui est avec nous sur le podium, le maillot de champion de France. Et maintenant, on est à une quarantaine de minutes du départ fictif de la 116e édition de Paris-Roubaix. Comment vous sentez-vous? À quoi vous pensez? Non, mais c'est vrai que voilà, avec le mode de champion de France, quand je l'ai gagné à Saint-Omer, à chaque fois, je pense toujours au classique. Et notamment à Paris-Roubaix. Donc, je me dis qu'avec ce beau maillot sur les pavés, voilà, il peut rien arriver. Donc, aujourd'hui, une belle journée. Je sais que j'ai mes supporters et les gens sont bonnes. Donc, maintenant, voilà, on va faire confiance. On va faire confiance au destin et puis on vous souhaite tout le meilleur bien sûr pour cette épreuve qui représente quelque chose de fondamental, de crucial pour vous dans votre saison. Ouais, de fondamental pour moi, pour l'équipe. Voilà, on a tous Paris-Roubaix dans la tête dans l'équipe, avec des managers comme Fred Guédon et Marc Madio. Forcément, c'est l'identité de l'équipe. Et puis moi, voilà, natif de Beauvais, je suis pas très loin. J'ai toujours connu les pavés depuis les années juniors, donc forcément, ça tient à cœur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, le champion de France, vainqueur de l'étape de Vittel sur les routes du Tour de France, l'ovation du public pour Arnaud Démare.